Rabah Madjer condamné à la prison ferme. Le tribunal de Sidi Mahmed à Alger a condamné, ce jeudi 9 juin 2022, l'ancien joueur et sélectionneur national Rabah Madjer à 6 mois de prison ferme et 100 000 dinars d'amende pour « faux » et « usage de faux » dans l'affaire des deux journaux lui appartenant. Selon plusieurs médias, Rabah Madjer aurait continué à bénéficier de pages de publicité de la part de l'Agence nationale d'édition et de publicité durant 2 années pour son journal sportif El Balagh, alors que ce dernier a disparu des étals. L'ancien attaquant du FC Porto aurait perçu environ 30 milliards de centimes au titre de la publicité étatique, selon les mêmes sources. Lors de son réquisitoire le 2 juin dernier, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed a requis une peine de 18 mois de prison ferme contre l'ancienne gloire du football algérien Rabah Madjer. Mais le juge a fini par annoncer, ce jeudi 9 juin, une peine de 6 mois de prison ferme, une peine que l'ancienne gloire du football algérien pourrait contester en faisant appel devant la cour d'Alger.